alors de retour à la maison, on est pas, enfin comme d'habitude, faut se doucher parce qu'on passe notre temps à se doucher. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et du coup, limite, est-ce qu'on achèterait pas une douche? Parce que c'est un petit peu le truc qu'on utilise le plus dans cette maison. Voilà, on quitte à faire, est-ce qu'on peut avoir une douche efficace? Montre, on a quoi? Hygiène 6. Donc, plus l'hygiène va être élevée, plus vite il fera sa douche. Pour 800 $. 6, 7. Je vais monter à 7. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Soulagement du stress, soulagement de la confort, fiabilité. Je t'avoue que je sais pas. 2100, j'aurais dû prendre ça à la base en fait. Elle peut tout faire. Parce que ce que j'ai là, je peux la revendre ou pas? Je peux la revendre 600. Et elle vaut combien à l'achat? Est-ce que ça vaut la peine de la vendre? 750. Oh, hygiène 6. Je suis comme sur un 6 d'hygiène. Donc, ah, est-ce que c'est vraiment plus rapide finalement? C'est censé être plus rapide normalement les douches dans mes souvenirs. Mais j'ai des petits doutes, au pire là, c'est comme ça. Laisse comme ça, c'est pas grave. On fera avec. Bon, du coup, comme d'hab, va te doucher. Jouer dans le jet d'eau. C'est bien entendu le truc le plus important à faire à 1 h du mat. Alors qu'on a le boulot demain, dans 7 h. Je vais aller jouer avec l'eau. Parce que c'est indispensable, monsieur. Ah, d'accord. Ah bah c'était le jeu le plus rapide du monde. Du coup, il pue toujours autant. Enfin, à un moment, il faudra m'expliquer. Je veux dire, pourquoi les trucs disparaissent comme ça? Je pense que d'un coup, il est tendu. Mais ça n'a pas de sens, quoi. Bah, tu prends un animal. Ouais, plus tard, mais petit à petit. Attends, on est d'accord. C'est quand même vachement plus long qu'une douche. Ou pas? Je sais pas. Au moins, c'est relaxé, divertissement. Ouais, écoute, ça va. Va faire dodo. Dépêche-toi, parce que bon, c'est pas tout ça. Ouais, t'es content, t'as fait le gros. T'as fait le fou dans ta baignoire de luxe pleine d'or. Maintenant, fais le gros dodo. Ok, c'est bon. On va du coup pouvoir avoir la promotion demain. C'est parfait tout ça. Mais c'est très bien, monsieur. Oui. À la montrante. Est-ce que vous voulez travailler? Aller au travail, oui. Comment je me sens? Bien entendu, j'ai faim. C'est normal. J'ai rien à dire. Je vais pas me plaindre. Ça me paraît plutôt normal. Allez, mange-moi ce qui reste. Le pauvre, à chaque fois, il va au resto, il va dans des snacks, tout ça, puis il prend jamais à bouffer. Il mange des trucs absolument dégueulasses qu'il a fait lui-même. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah, on a reçu des mortiers et tout. C'est stylé. J'ai ma poupée vaudou, c'est trop bien. On pourrait être méchant avec des gens. On pourrait être de type pas sympathique. Écoute, je vais décorer, ça va être ma table de décoration ultime ici. Pourquoi j'en ai deux? Ah, parce que j'ai gagné une, c'est pour ça. C'est juste. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout le reste, c'est bon, enfin. Je peux limite poser ma poupée vaudou juste pour le style. C'est totalement inutile. Mais ça a du style. Voilà, comme ça. Parce que le respect est mort. Bon, maintenant t'es en bonne forme, tu as mangé. Tu te sens comment? Attends, montre-moi ça. Enfin, écoute, il faut juste aller aux toilettes, il a le temps. Et il sera parfait. Il sera plutôt pas mal. Utilisez vite! Concentré. C'est pas exactement ce que je recherchais, mais pourquoi pas. Acheter une piscine qui fait au moins un par an. Stop! Arrêtez tout! Arrêtez tout, j'oublie que je peux effectivement. Ouais, pourquoi il a disparu? On peut pas le faire pendant qu'il est au boulot, zut! Le fail! Bon bah écoute, tant pis, on fera avec! Vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que les. J'ai demandé de le payer, il était devant et tout. Pourquoi il a pas payé? Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule! Promotion, en effet, que promu a été promu et par. Quoi? Éparpilleur de graines! Elle gagnerait désormais 2 de simflouz de plus par heure. Il a également reçu en bonus 400 simflouz, ma gueule! Lot de graines herbes aromatiques pour débutants, jardinière extérieure. Prochaine journée de travail commence mercredi à 7 h du mat. Nous sommes mardi. C'est très bien ça! Ça me paraît plutôt, ma foi, très bien. Une nouvelle promotion. D'ailleurs, première promotion pour nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Désherber 3 plantes. À l'autre côté, discuter avec quelqu'un, raison très heureux. Est-ce que ce quelqu'un serait pas loin? Parce que je te cache pas que c'est genre le truc facile à faire. Est-ce qu'on peut discuter, faire connaissance, direct comme ça? On va faire les choses dans l'ordre. Alors ça, ensuite, qu'est-ce qu'on a gagné? On verra ça après. Je vais faire. Oh, je pense que le chat, ça aurait fonctionné. Putain, il est gros, chat. Le pauvre, il est super gros. Éparpilleur de graines, ça double le sens. Ah, je t'avoue que je l'avais raté celui-ci, mais c'est pas faux. Il va au resto juste pour draguer. Bah écoute, alors, effectivement, quand on va au resto, c'est clairement pas pour manger. Ou alors c'est pour manger d'autres choses, si on veut être grave le chat. Je dis ça, mais en même temps, il n'y a toujours rien fait, l'IFEX. On y ira petit à petit. C'est moi, il est vachement bleu, le chat, quand même, là-bas. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, appeler quelqu'un au téléphone, non. C'est vrai que j'oublie qu'il y a des points d'inspiration, tout ça, à faire. Donc là, par exemple, la piscine. Ça, je sais que c'est le genre de truc qui était hyper facile à faire. Oula. Ouh, le jeu qui est en train de paniquer. Calme-toi. Ne plante pas maintenant, s'il te plaît.
Piscine. Tu me fais une petite piscine de 1 par an. C'est genre un truc totalement nul. Il permet d'avoir du coup des petits points. Idéalement, quand il dit en plus derrière d'avoir une échelle, hein, c'est bien du ça. Qu'est-ce qu'il veut? Acheter une table de banquet. Est-ce que tu crois vraiment que je vais t'acheter une table de banquet? Est-ce que tu penses vraiment que dans ton appartement, c'est le truc le plus urgent qu'on a besoin? Oh, tu fais ce que tu veux. Bah, je suis pas vraiment certain, je t'avoue. Enfin bon, peu importe. C'est bon, il y a eu ce qu'il voulait. C'était quoi? Désherber. Est-ce que tu peux me désherber quelques plantes? Merde, elle commence à sécher. Attends, il y a trop de choses. Attends, faisons les choses dans l'ordre. Désherber. Ça, c'est bon. Et juste la question, est-ce que du coup, il faudrait pas que j'achète l'arrosage automatique? Attends, les arbres, vous allez me déranger. Il faut effectivement que je voie ça. Comment ça fonctionne? Je sais plus comment je dois faire. C'est où qu'on voit l'arrosage automatique? Bah, t'es tombé dessus l'autre jour. Attends, on va trier par extérieur, j'imagine. Tac, truc d'extérieur, plante. On a plein de graines. Herbe à chat, voilà, c'est ça. Arroseur 2000. Donc ça arrose relativement peu. Il faudrait du coup que je mette limite comme ça. Je pourrais en faire un tout le long. Je pourrais en mettre comme ça tout le long. Ça coûtait combien? C'est 350. Ça coûte un petit peu la peau du cul. Attends, si je mets là, je suis juste. Je crois que je suis juste ça. Je sais pas combien, il reste combien d'argent? Ah, je suis fou. J'ai peut-être beaucoup trop d'argent. Deux. Voilà. Est-ce qu'on met un dernier? Est-ce qu'on est des fous? Partant du principe, ça nous rapportait de toute façon de l'argent à moyen terme. Voilà, on a claqué littéralement tout notre argent pour des arroseurs automatiques. Mais on est heureux. Lucie Trouille a de l'ambition, mais elle n'est pas sûre d'avoir trouvé sa vocation. Elle prend pas la grosse tête, même si elle se révèle poète. C'est quoi? C'est quoi ce truc? What? D'accord. Ok, il n'y a pas de problème, tout va bien. Feu de camp. Ouh, en version XXL. Ils sont irradiés. Pas qu'un petit peu, je t'avoue, là, pour le coup. Attends, non, merde. Zut! Du coup, je sais pas si j'en ai pris trop. Ce qu'il faut faire, on va mettre nos plantes du coup tout autour en mode. Est-ce qu'il faut que je les tourne comme ça pour qu'ils puissent pour les récolter plus facilement? Je sais pas si ça change quelque chose le fait de tourner la plante ou pas, vu que t'as la flèche qui met d'un côté. Bon, peu importe. On s'en fout. Enfin, je suis ça, mais je le mets quand même. Parce que sait-on jamais, hein? Ah bah, toutes nos plantes. Je pense que j'ai un petit peu exagéré sur les plantes. J'ai peut-être un tout petit peu trop de plantes. Enfin, je sais même pas si on va pouvoir aller les récolter là, je suis en train de me dire. À tous les coups, la plante ici, il n'y aura pas accès. Il faut que je déplace d'un. Ah, il faut que je déplace d'une case. Attends, comment faut que je fasse? Si je pousse de 1, on peut passer entre. De 2. 1, 2, attends. Là, il touche. Il faut que je le mette là. Il faut que je mette là pour vraiment avoir de la place que là. Ça fait quoi? Si je mets. Attends, j'ai de la peine à me. Tac, ça laisse deux cases. Est-ce que j'ai la place de laisser deux cases? Ah, je pars à la place. 1, 2, oui, j'ai la place là, ça fait deux cases, normalement tout est arrosé. Je crois que je suis bon, si je dis pas de bêtises, normalement je suis juste ça. 1, 2, 3, le truc, c'est bon. Ok, on va laisser comme ça plutôt. On verra si ça marche ou pas. Si on a tout ce qu'il faut, c'est un petit peu bordélique. Ah, mais attends, du coup, je suis tout coincé au centre. Effectivement, je suis plus aligné juste. Ça fait un truc comme ça. Ah, c'est un peu le bordel, désolé. Faut organiser un peu le jardin. Je ne cache pas que c'est un peu compliqué. Parce qu'on a un jardin un petit peu bordélique. 1, 2... Ah, mais attends. Il va jusqu'à quelle distance? Ah, c'est comme ça, on est d'accord. Voilà, il fallait laisser la place. On est d'accord, ça a de juste. C'est pas passé entre les plantes. Bah, des fois, ils sont un peu cons, les Sims. Faut pas trop leur en demander. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux laisser un peu d'espace que ces genres de trucs où ils vont dire « Ah non, je peux pas passer, je peux rien faire. » Je parle d'expérience. Ça m'est déjà arrivé régulièrement. Et c'est extrêmement chiant quand ils font ça. Toi, du coup, là, je laisse la place. Ils peuvent passer au centre. Parce que sans ça... Bah, d'ailleurs, j'ai pas laissé assez de place. Ah, t'es sérieux? Bah, écoute, on va dire c'est pas grave. On va dire c'est pas grave. Clairement, j'ai la flemme de tout changer encore une fois. Enfin, j'ai pas du tout abusé en termes de quantité. J'ai pas du tout mis un milliard et demi de plantes. Tac. D'ailleurs, je pense. Attends, pourquoi j'ai juste la place? Non, ça va. J'ai les arbres que j'arroserai à la main. Enfin. Bah, ça va, on a un petit jardin un peu plus organisé, si j'ose dire. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une décoration avec des petites barrières, tout ce qu'il faut autour. C'est des vignes. Ah oui, attends. Moi, je crois que t'as raison. Je crois qu'il y avait du vin. Pas du vin. Tout de suite. Le raisin qui se transforme en vin, n'est-ce pas? Il me semble que oui. Il manque un arroseur. Mais ça, dans le pire des cas, c'est pas très très grave. Je peux le faire à la main. Je peux les laisser ici, puis j'arroserai.
Je pense d'ailleurs qu'on va faire ça. Ou alors, plus logique, truc qu'on peut encore pousser, genre... Ouais, vas-y. Attends, il y a ça encore. Ah, j'ai trop de trucs. Non, il me faut encore un arroseur. Il me faut un arroseur, et d'ailleurs, j'ai la place de le mettre là, il me semble, si je fais pas de bêtises. Si je mets l'arroseur ici... Ah, mais j'ai encore plein de place derrière pour la maison, pour la piscine et tout. Fin. Si j'ai pas de conneries, il me semble... Si je le mets là, oui, il y a la place, on est d'accord. En gardant un peu de place pour qu'il puisse passer... Comment il va passer? Je pense qu'il pourra passer sur l'extérieur, donc on s'en fout. Quoique, non, non. Laisse la place. Ok. Là, il est mis. Qu'est-ce qui me manque? Il y avait ça, on avait dit. Bah, du coup, le jardin va être un peu triste à l'avant. J'ai un peu enlevé toute la décoration. Je te cache pas que c'est pas exactement ce que je voulais à la base. Il transforme sa maison en ferme d'agriculture. Mais c'est totalement ça. Regarde le truc, ça va être n'importe quoi. Le problème, c'est que du coup, celui-ci n'est pas arrosé. Non, écoute, prends ton arbre, là, celui-ci, tu vas me le mettre devant. En mode détente, là, voilà, juste là pour la déco. Non, merde, c'est pas une décoration, c'est juste moche. Où est-ce que j'aurais pu le mettre? C'est extrêmement moche, mais voilà. Sûr qu'il crame pas. Et du coup, c'est où la plante que je vais récupérer? C'est lui. Tac. Et normalement, si tout est bon, on devrait enfin avoir une vraie plantation de type qualitatif. Et surtout, c'est censé arroser. Améliorer. L'effet c'est besoin du niveau 5, donc compétence bricolage pour ajouter cette amélioration. Trop bien. Jouer, désactiver, mettre en marche. Je mets en marche. Oh, mais c'est trop stylé! C'est beaucoup trop stylé! Qu'est-ce qu'il fait, Nifex? Est-ce que tu peux... arroser. C'est juste pour le print screen. Mais c'est trop bien! C'est juste beaucoup trop bien. Regarde-moi ça. Je kiffe le truc. Attends, du coup, ça va partir sur un petit print... Oula. Oula, calme-toi. Sur le zoom, je suis ouf. Où suis-je? Mais le système d'arrosage, c'est tellement stylé! Attends, mais descends. Je trouve ça tellement cool, regarde-moi ça. Boum, petit arrosage automatique, voilà, qui fait le taf. Enfin bon, qu'est-ce qu'on disait? Le petit arrosage de mat... Ah, c'est un par un, je... Ah zut, faut quand même que je les fasse tous mettre en marche. Faut quand même que je les mette tous en marche un par un. Écoute, on va pas se plaindre. Et la question, c'est, est-ce que si tu les laisses trop arroser, ça a un problème pour les plantes? Parce que logiquement, oui. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas, je ne sais pas. Mais regarde-moi ça. C'est trop stylé, ah, merde, genre du coup, mes print screens, ils sont cons, parce que du coup, ils ont pas pris en compte tous les éclairages. Les éclairages, non pas du tout, tous les arrosages, voilà. Là, ça gigue beaucoup plus. Là, ça gigue comme on veut, monsieur. À l'ancienne, regarde-moi ça. Ce giclage totalement qualitatif. Ça peut porter à confusion quand on dit ça. Quand on parle de giclage, écoute, mais vous n'avez rien entendu, tout va bien. Ça coûte de l'argent quand les arroseurs fonctionnent. Je t'avoue, je ne sais pas, mais logiquement, oui. Mais je t'avoue que j'ai jamais compris comment fonctionnaient les impôts. Il y a eu plein de rumeurs par rapport aux impôts, les factures. Il y en a qui disent que c'est par rapport à la valeur de ta maison, ce qui me paraît le plus cohérent. D'autres qui disent mettre l'allumage automatique pour pas gaspiller d'électricité. Mais je pense pas qu'il y ait une vraie un vrai calcul de consommation énergétique. Pour moi, c'est simplement la valeur de ta maison fois tant de pourcents. Et théoriquement, on n'est pas censé payer plus. Après, j'ai jamais su au final ce qui était vrai ou pas. Éparpilleur de graines plus giclage. Ah, écoute, on est sur la totale, là. Comme il faut. Et c'est trop trop bien, je kiffe le truc. C'est juste tellement pratique. Je me demande s'ils vont arrêter de gicler justement à un moment tout seul ou pas. Ou s'il faut le faire manuellement. En tout cas, c'est juste beaucoup trop pratique tout ça. Enfin, c'est totalement quali. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre à part ça? Qu'est-ce qui nous manque? Tout ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Acheter une table de banquet, ça clairement, tu dégages. Appeler au téléphone, on s'en fout. Arroser une plante. Écoute, est-ce que vraiment il y a besoin d'arroser une plante là maintenant tout de suite? Tout arroser, écoute, au pire, vas-y vite, histoire que ça te rende content. Et que tu me foutes la peuf. Faire des recherches, fertiliser, désherber. Est-ce qu'il y a des trucs à désherber en attendant? Oui, plus 10, c'est bon ça. Désherbe-moi tout ça. Et arrête d'arroser, bon. On n'a pas claqué 1500 simflouz d'arroseur pour rien. On a l'habitude. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je me sens absolument pas pas concerné par la chose, vois-tu. Bon, oh, au niveau supérieur, Nifex a atteint le niveau 4 de la compétence de jardinage. Nifex peut désormais parler aux plantes pour assouvir son besoin social et récolter les produits des plantes à proximité. C'est très bien, ça. Comment ça, à côté des produits des plantes, tu peux pas le faire? Allez, bien sûr, tu pouvais le faire. Je ne sais pas, écoute, peu importe, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est fait, c'est tout ce qui compte. On travaille quand? Est-ce qu'on travaille bientôt? Faut performance travaille dans 14 heures, on travaille bientôt. Peut-être arrêter de s'occuper de tout ça. J'y sais, je pense que c'est bon, ça arrosait les gars. Est-ce que vraiment faut continuer? Bon, ça m'a l'air pas mal.
Va balancer tout ça. Il faut quoi? Énergie, vessie. Enfin, comme d'hab, il faut qu'il bouffe. Il passe son temps à bouffer. D'ailleurs, tu pourrais presque faire une petite folie puis cuisiner un petit truc. Cuisiner. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Histoire qu'on. D'accord. Je voulais faire un truc différent, mais en fait, voilà. Il n'a pas encore les compétences pour, malheureusement. Il fait que Samy avec des bananiers et des vignes. Ah, bah c'est ça. Quand t'as pas eu de te faire chier à parler aux gens, tu parles à tes plantes et niveau social remonte. Et ça, c'est fort pratique. Quand tu es asocial, vois-tu. C'est le petit conseil Sims. Vous mettez une petite plante dans votre jardin, vous êtes sûr d'avoir un ami à qui parler comme ça. Allez, vas-y. Fais-moi tout ça. C'est quoi des macarons, je crois? Macaroni. Macaron, c'est pas des macaronis, Nifex. Ne confonds pas, c'est pas la même chose. Techniquement, il y a une légère différence. Qu'est-ce qui. Je dis bon sans parce que j'arrive tellement pas à me concentrer. Je sais pas, j'essaie de me recentrer sur les trucs, mais j'arrive pas. Je pars beaucoup. Il a l'air totalement nul, on peut le dire. T'as l'air totalement pas du tout à ta place en cuisine. Et au passage, ce magnifique t-shirt, n'est-ce pas fin. Il atteint la compétence de 2 en cuisine, mais très bien, ça monte tout ça. Fin. Ça monte très très bien. Fin. Il est toujours d'accord avec toi. Ah, là, il n'y a pas de doute pour le coup. Tu peux être sûr. Quoique, il est assez fou pour se prendre la tête avec. Je serais même pas étonné. Divertissement, comment on pourrait se divertir? Faut qu'on trouve un truc bien. Je pense qu'il faut le couper. On va peut-être éteindre l'arrosage. Désactiver tous les arroseurs. John Smith se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Arrêtez tout. Elle propose de venir chez elle. Est-ce que vraiment il faut qu'on en parle? C'est vrai que le gros boulet, il fait venir du monde avec. Non, clairement, écoute, j'aurais pu finir ma portion que j'étais en train de manger, tant pis, c'est pas grave. Je viens, je cours. Il y a une fille comme ça qui m'appelle, moi je galope. Je suis un fou. Alors, je vais peut-être changer mon t-shirt, pas forcément hyper tendance. Non, ça m'a déréglé ma tenue normale, je sais plus ce que j'avais. Oh, le con, ça m'a enlevé ma tenue. Ah, c'est boulet. C'est extrêmement boulet. Écoute, tu m'invites à la maison, moi je viens, je suis classe. Voilà, direct, et t'es habillé classe également. J'espère que ça te plaît. Technique de drague, la totale. La compétence 2 sert à savoir mettre un plat au micro-ondes. Bah écoute, c'est important, n'est-ce pas? Oh, mais la maison! Mais la maison, tu te fais pas chier, dis donc, madame! C'est une belle maison. Ah, c'est elle, la fille! Parce que c'est. En fait, j'avais téléchargé des maisons, puis apporté des familles pour qu'il y ait plus de Sims dans la ville. Et elle fait en fait partie de ces 6 mètres que j'ai importés. Mais c'est beaucoup trop classe. Oh, mais il y a enfin des chaises longues pour la piscine. Mais attends, je peux pas aller en mode construction. C'est chaises longues pour la piscine, tu veux savoir. Est-ce que c'est avec un code? Je suis pas sûr que c'est... Non, c'est un code, je pense que ça glitch. Non, c'est des vrais. Non, c'est pas un code. Quoique... si, c'est un code, j'ai rien dit. J'ai rien dit, oui, si, on voit que c'est un truc où tu t'assois avec une chaise. C'est rentré dedans. Donc non, c'est pas des chaises longues. Mais je sais plus s'ils ont acheté les chaises longues depuis. Avec je pense avec le DLC saison, logiquement, il y aura ce qu'il faut. Ça me paraîtrait plutôt logique, écoute. Enfin bon, peu importe. Dans tous les cas, la baraque, elle est bien... Il y a de quoi faire. Le truc... Ah mais attends, il y a un sous-sol même. Oh, ça déconne pas, la chambre du monsieur. Mais je vais pas faire de bêtises ce soir. On va pas faire crac-crac, on va garder ça pour plus tard. C'est notre première fois, madame. Il faut faire ça bien. Et on va pas se précipiter bêtement. C'est Nifex qui dit ça, quoi. Le truc qui n'a aucun sens. Il parle que de crac-crac depuis 3 heures. Mais non, faut pas se précipiter. C'est quoi cette petite salle de bain qui est au top? Écoute, peu importe. Peu importe. Est-ce qu'on peut se rapprocher un petit peu de notre copine? Je veux un moment de douceur et de tendresse avec elle, en sa compagnie. Oh, à manger, du manger gratos. Mangeons. Mangeons direct. Mettre dans un sac papier pour le déjeuner. Le gars qui prend tranquillement, écoute, chérie, c'est très très bon, je vais prendre ça avec moi, tout ira bien.